Merci Madame la Présidente. Mais moi, je me réjouis de la révision de ce règlement sur ces polluants organiques persistants. Effectivement, il y a plein d'associations, je cite WECF, FNE, qui montrent la présence de substances toxiques, dont des retardateurs de flamme, qui sont des POP, dans les jouets pour enfants, les ustensiles de cuisine, les accessoires pour les cheveux. Et pourquoi? Parce que ce sont des plastiques recyclés. Et le scandale, je soutiens mon collègue M. Andrieux, le scandale de la Commission européenne, c'est qu'elle a donné des dérogations pour justement permettre le recyclage des plastiques concernant justement ces substances. On a fait des études sur les moquettes et les 7 plus gros fabricants de moquettes, eh bien, on retrouve ces POP dans les moquettes. Que ce soit des phtalates, que ce soit des retardateurs de flamme bromée, etc. Donc il faut qu'en amont, on interdise ces substances. Vous voyez, il ne faut pas faire ces dérogations. Et là, je suis d'accord avec Mme Gerling, qui est de supprimer ces dérogations. Parce que ce qui est important, et vu les élections européennes, c'est de dire que l'Europe protège la santé des consommateurs. À l'heure actuelle, on n'est pas suffisamment ambitieux.